Bonjour. La petite alarme. Et bonjour Poulette. C'est beau ici? Tu vois un nuage? Comment ça? Ouais, ça va. Celui-là, il va pas nous embêter longtemps. Comme c'est beau là. Et bonjour Poulet. Ça va? Un peu dur ce matin? Oui. Tadam. Petit déjeuner, c'est quoi? Choc à pic. Et nous? Ah. Café? Regarde comme ça, mais tu café. C'est parti, ça chauffe. Ah, le premier café, deuxième. Ça, c'est la classe quand même. Ouais, ça là, franchement, regarde là, comme c'est beau en plus. Hey, les filles qui sont parties marcher, elles ont pris de l'avance. Et nous, on les rejoint. C'est toi qui conduis? Oui, c'est moi qui me mets là, je me suis là. Au revoir, joli spot. Au revoir. Allez, on va chercher maman. Viens par là, toi. C'est parti. Ça commence par une petite descente. C'est dommage que maman n'est pas là. Et on essaie de mettre les roues à des endroits où ça remue pas trop. Ouais. Elles sont là, on les a retrouvées. Elles sont belles, hein, ces vaches. Bon, ben, nous, on a fait notre petite marche matinale avec les ânes. On essaye de prendre des bonnes habitudes. Et on manque un peu d'essence. Là, on fait le plein, regarde. Donc, on est en train d'essayer de pencher la voiture dans tous les sens pour pomper dans notre deuxième réservoir. Et on espère qu'on va plus être en réserve parce que là, comment te dire qu'on est au milieu de nulle part. Attends, le haut du Pic Nègre, c'est quand même 5 km. C'est pas loin, hein. Ouais, mais si tu fais le haut du Pic Nègre, mais qu'après, tu t'es bloqué là-haut. Un peu de sensation forte. Alors on va essayer d'être dans la joie, la bonne humeur aujourd'hui. Ça démarre pas comme il faut. Petite aventure et on t'embarque direction le Pic Nègre. Pic Nègre, Andorre, passage de frontière un peu... Et on commence. Donc là on vient de rentrer à Andorre par les chemins. On va essayer d'aller faire de l'essence avant de tomber en panne. Donc là, on est rentré à Andorre par les chemins. Je sais pas si c'est trop autorisé, mais voilà. Alors que normalement, Andorre, il y a une belle frontière ah parce oui, que oui, tu oui. peux acheter de l'alcool, des clopes et tout ah, à volonté, quoi. C'est pas cher, il n'y a pas de taxes. Et là, on arrive, regarde. Donc pof, si tu connais pas Andorre. Si tu connais pas Andorre, pour la petite histoire, c'est une principauté avec un co-prince. Et le co-prince, c'est Emmanuel Macron. Et donc, l'autre dirigeant, c'est un évêque. Voilà pour la petite histoire. On cherche l'essence. Allez, on a trouvé la station essence. Hop là, 1,28. Allez, maintenant, le Pic Nègre. Et ça y est, on arrive à la frontière. Donc là, on est en Andorre. On est en Andorre. Et là, juste derrière, là, l'Espagne. C'est l'Espagne. Allez, et avant de monter au Pic Nègre. Maintenant c'est payant, comme ça il n'y a pas trop de monde. Ils te prennent ton nom, ton numéro de plaque d'immatriculation, carte d'identité quand même. Et après c'est open pour toute la journée. C'est 25 euros par jour. Et bonne journée, merci. Au revoir. Donc, en résumé, c'est 25 euros par jour. Donc si tu as le droit d'y dormir en haut, puis il y a plusieurs refuges. Mais le lendemain, il faut quand même repayer 25 euros. On te montre tout ça. Thank you.
Un aigle. Alors, franchissement, on s'arrête pas à monter. En plus, j'ai le pib. Tu me tiens chaud? Eh ouais, ils sont bien ces suites. Hein. Ils tiennent chaud là. J'ai les vapeurs. Bim, en haut du pic nègre. On va aller voir la vue. Ça y est, on est arrivé en haut. Ouais, on descend. Oh, la dernière fois qu'on est venu, il y avait un vent, mais un vent de fou. Bah, c'est idéal. Mais... idéal. On va parce que là, oula, oui, j'avais pas vu tous les buggies. On se fait envahir là. On se fait envahir par les buggies. Voilà, et les on motards. Va voir ailleurs avant qu'il y ait tout le monde. Et on va aller là-bas parce que c'est pas du tout moins beau, hein, bien au contraire. T2, pique nègre. T'as rien à dire? Eh ben moi je suis pas contente. Voilà. Séance ralage. Ce T2, il était magnifique il y a 2 ans. On a pris des photos dessus tous les 4 et on s'était dit tiens, on va refaire. On voulait refaire exactement la même photo avec les enfants plus grands. Eh ben c'est foutu parce que du coup. Il y a un gros qui a dû faire la même photo que nous, il s'est assis là. Et le gros, il a tout pété. Hein. C'est à cause des gens comme ça que les pistes après elles sont fermées. Ouais. Et ça, c'est à cause des gros, ça. Le T2, ça faisait 50 ans, je crois, qu'il était là. Bah, à un moment, il rouille et puis il va disparaître un jour. Hein. Ouais, on va profiter là, il n'y a pas trop de vent. On va aller se mettre juste à côté de ce. Ça, c'est un spot mythique normalement. Et comme ça, on va manger ici, se poser un peu ici et prendre un peu du bon temps aussi. Ah. Voilà, on est pas bien là? On est pas mal. On est pas mal du tout parce qu'il n'y a pas trop de vent. À midi, c'est salade avec saumon, oignon. Pas bizarre cet avocat un peu? Oui. Et cet oignon aussi. Petit oignon rouge frais. Ouais, prépare tout ça. Et tomate cerise. Donc on avance le 5. Oh! Allez à table! Ah, en plein soleil! Oh. Il y a une belle vue quand même là. Petit café? Allez, petit café. Allez, on monte là-haut. Le pays des cairns. Eh ouais. Le pays des cairns. Peut-être c'est pas des cairns. Parce que c'est un joli spot ici quand même. Hein. Jusqu'au sommet. Là. Alors c'est joli ici. Oui. Il y a de la vue, hein. Il y a du vent aussi. Hein. Ouais, Talula est tout en bas. Le pic nègre il est tout là-bas. Là-bas c'est Andorre. Et la frontière normale, c'est là-bas. Nous, on est arrivés par là, par le chemin de là. Et tu vas voir la suite. On va reprendre la piste des contrebandiers. Et elle part de par là. Et hop, dans la montagne. Pareil, piste un peu... Je sais pas si c'est trop légal ou pas. Mais il n'y a pas trop de postes frontières. On rajoute chacun son caillou sur la cairn. Papa! Ouais, bah vas-y, allez sur la cairn. Parce que moi, je suis plus fort. Allez, vas-y, fais attention de ne pas te le mettre sur les pieds. Hop, et voilà, super. Oui, voilà, c'est bon. Un peu venté. C'est un petit peu venté. Après un petit rando là, on repart et on va chercher un bivouac, peut-être un petit rando. On va voir. On avise.
pour passer par le même chemin que c'est une boucle. Au revoir le pique-nègre. Et là, le sommet, juste ça, là. Paf. 2642 mètres. Là, c'est où? Bon, on a trouvé ça. Problème dans le coin, c'est qu'on n'est pas trop serein. On n'est pas trop serein parce qu'on voit ces panneaux de partout. Interdit de faire des feux, prohibit acampar, ça veut dire camping interdit. Et faut regarder les fleurs. Et du coup, on n'est pas trop serein sur savoir si on campe là ou pas. Sachant que en bas de la piste, le gardien de ce matin, il nous a dit qu'on pouvait dormir au refuge. Donc effectivement, on peut dormir au refuge. Bon. Bref, on va rester là pour ce soir. Voilà. Et je pense que pas à côté du panneau quand même, mais à côté du refuge. Voilà. On ne veut pas finir en prison et on respecte plus ou moins la chose. De toute façon, il n'y a pas de matelas dans le refuge. Donc on pourra dire qu'on a des matelas dans la tente. Et autrement, l'endroit, il est super joli. Les enfants, je pense qu'ils vont être contents. On va voir, on va leur dire. Du coup... Vous voulez rester là, vous, ou pas? Oui, oui. On reste là? Mais je crois qu'on va rester là. On reste là. Mais faut nettoyer à la maison. Tu viens nous montrer le refuge? Oui. Le point pour le feu. Les lits superposés. Le point là-bas. La table. Les lits. Poubelle. Les lits. Bon. Ça sera pas très confortable si on dort dedans. Il n'y a pas de matelas. On est à plat. Franchement, c'est joli, hein. Et en plus, il y a un cheval avec son poulain là-bas. Parfait. Donc c'est parfait, quoi. Ah, le hamac. Test. Attention. Allez, c'est juste que ça se tend, oui. C'est les sangles qui se tendent. Voilà. C'est pas un temps normal en 4x4 que tu cries. Voilà. Là. Je peux crier pour toute situation. On est pas mal. Toute situation. Bon allez, on va laisser maman tranquille, nous. On va aller voir le cheval. Allez, c'est parti. Ils ont pas envie qu'on s'approche d'eux. De toute façon, à mon avis, ils dorment juste là. Ah, premier footing de cet été sportif. C'est dur. Bravo. Vous direz pas combien de kilomètres j'ai fait. Comment j'en ai fait? C'est pas un sport où on se la raconte, hein. Tu vas vouloir une douche et tout, là? Je crois qu'il va me falloir eau chaude. Douche et tequila. On va attendre un tout petit peu pour la tequila, tu vois. Et nous, on va profiter que le moteur est allumé pour regonfler le pneu arrière, là, qui est une crevaison lente, quoi, déjà. Ça démarre fort. Donc on va le regonfler. On va essayer de trouver la fuite. Si elle est pas sur le flanc, et ben, on mettra une mèche. D'abord, on regonfle. Alors, cette douche chaude? C'est le bonheur. C'est le bonheur? Trop bien. Non, mais c'est royal. Ouais, c'est royal. Et ben nous, on n'a pas trouvé la fuite. Hein. Mmh. Non, hein. Ah. Oui. On a essayé de mettre du savon, mais on n'a que du savon dur, là. Attends, je t'entends. On n'a pas trouvé la fuite. Oh, il fait froid. Ah, il fait froid. C'était trop bien, cette douche chaude, là. Franchement, autant le truc des quatre. Qui est bien, parce que du coup, t'es vachement protégé de l'air, quoi. L'eau chaude, non, mais... Trop bien. Je reviendrai pas en arrière. Voilà, la douche royale. Là, moi, je suis, ravie. Hein? Ça change tout. Si tu sais pas quel système on a fait une vidéo, là, il y a 2-3 vidéos avant, sur les systèmes d'eau chaude où on t'explique tout ça. Allez, c'est l'heure de préparer le repas. On prépare des patates pour demain. On a vu qu'on pouvait faire un petit feu là-bas. Et pour ce soir, ça va être une omelette. Et je pense qu'on va se régaler. Léane, c'est pas bon, c'est de la pomme de terre crue. Eh, à la tienne. À la tienne. Eh, tu nous allumes le feu. Tu reviens à Martigny? Non. Oh. Non mais... Moi, oui. J'ai dit vacances sportives. Voilà, ça, c'est du sport. Voilà. Et c'est reparti. C'est plus chaud. Hein. C'est du sport d'équilibre, là, maintenant.
Oh, elle est prête là, non? Elle est prête, mais en plus c'est côté bien cuit et un côté baveux. Putain, parfait. Voilà. La table. Putain, et les patates? Je la tiens pas bien. On vient les récupérer après. Ah, la fais pas tomber. Hein. Sinon tu dors dehors. La table. Elle est bonne cette omelette là. Elle est ouais. Parfaite. Elle est parfaite. Elle est bonne. Au refuge de, je me rappelle plus le nom, là. Gouvernement d'Andorre qui met à disposition ça. Et voilà. À bien manger. Et on va se coucher. Si. Sexy. Maman, arrête, je suis pas de bonne humeur. Ah bon? J'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi? J'ai oublié une culotte. Non, justement, j'avais préparé toutes les affaires. Allez, pousse-toi. Préparé. Veuillez patienter pendant que maman prépare ses affaires. J'ai pas envie de rigoler. Tu veux un café? Tiens, je comprends pas pourquoi tu m'as pas réveillée. Parce que t'as pas arrêté de dire j'ai pas dormi. Le café de la patronne, aujourd'hui, vaut mieux faire les choses bien. Votre café, sa seigneurie. Maman. Bon ben voilà, lui on l'a gonflé à 2, 5, 2, 6 hier soir. Là il est à 1, 3. Tiens chérie, tu peux venir voir s'il te plaît? On va essayer d'écouter si on entend un bruit. Voilà, on a fariné le pneu quoi, hein. On trouve pas. Bon, on va essayer de pas en crever un deuxième, hein. On va trouver un autre chemin. Il a l'air bien notre chemin là, hein. Pour pas crever. Allez, station essence. On fait le plein total. Ah. Heureusement qu'on le fait ici le plein. 173 litres plus les 90 litres du réservoir de base. On a un peu de gasoil là. Petit point sur notre pneu. Alors vous avez été nombreux déjà à nous envoyer plein de réponses sur Instagram. Donc merci beaucoup. Alors nous n'avons pas de piscine à disposition, de rivière ou de bac où on peut mettre notre pneu avec le liquide vaisselle, etc. Super astuce, mais là en vrai dans le road trip c'est pas faisable. On n'a pas non plus traversé de rivière. Puis bon, a priori il faut pas qu'il y ait de remous. Et on nous a parlé d'une bombe anti-crevaison, sauf que on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est en voie de la mousse et c'est vraiment juste pour te dépanner. Là, on vient de m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que c'était la merde. Après, pour changer ton pneu, c'était vraiment beaucoup trop compliqué. Donc, on n'a pas pris cette option. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une bombe détection de fuite. Donc, on va essayer de trouver ça. Là, on se trouve en Andorre. On peut dire qu'on n'est pas non plus ravis parce que ben, la ville, on n'est pas trop fan. Il y a des piétons partout. Avec notre gros talou là, on n'est pas serein à chaque fois. Et on a trouvé un magasin. Hop! Apparemment, pareil dans les pneus. Donc, on se dit qu'il y aura sûrement une bombe de détection. Et maintenant, j'arrête de parler parce que je vais me faire engueuler. Bon, du coup, autre solution qui était ma première solution, c'était trouver un garage de pneus. Et effectivement, ils vont nous enlever la roue, ils vont nous la réparer et tout ça dans une heure. Tu vois, je te dis que c'est pas fait pour nous, ce pays. Non, on a laissé la voiture, il est midi. Tous les restos, ils sont tous fermés, ça ouvre que à une heure. Et nous, on a la dalle. On se fait rembarrer de tous les restos, donc non, voilà, on va trouver une solution. Hein, parce que... Je ne pourrais pas vivre à Andorre, rien que pour ça, quoi. Voilà, quand on cherche, on trouve. Hein. Je sors du resto. T'as le mécano qui vient te chercher au resto pour te dire que c'est bon. C'est pas le même service que chez nous, quand même. Hein. Et maintenant, c'est reparti pour l'aventure. Et on va repasser la frontière un peu... Bis-bis. En tout cas, ils font des routes qui montent. Hein. On arrive à 2000 mètres d'altitude, quoi. On arrive au bout de la route, à frontière. On va voir comment ça se passe. On est en Espagne dans 3, 2, 1. Espagne. Voilà, la frontière pour entrer et sortir d'Andorre, la plus simple qui puisse exister. Eh ouais, pas de barrière, pas de péage.
Même pas de bouchon? Même pas de bouchon, pas de gens. Pas de douane, pas de panneau non plus. Mais alors la vue est belle. Et de la vue. Ouais, super vue. Donc avant, quand tu voulais rentrer ou sortir illégalement d'Andorre, eh ben, tu passais par là où on est passé, c'est-à-dire par la piste des contrebandiers. Et donc les gens passaient leur beurre, leur alcool, tous les produits qui sont beaucoup moins chers à Andorre, avec lesquels tu n'avais pas le droit de traverser la frontière. C'est toujours le cas, hein, tu n'as pas le droit d'acheter des litres, des litres, des litres, des litres d'alcool. Et eh bien si tu passes par là, t'as moins de chances quand même de te faire contrôler étant donné qu'il n'y a personne. Le bivouac de ce soir et il est pépite. Je pense que là, il a tous les critères du bivouac parfait. On est calé. Ah, il y a une piscine. Là. Tac. Et là, oh. Il se met en charge. 120 watts qui rentrent dans le panneau, c'est parfait. Au panneau solaire et all power. Si tu veux tout le setup là, on a un code promo. Tu vas le chercher dans la description et tu auras 15% sur tout le site. Alors, tu as le jacuzzi? Ouais. Allez, 1, 2, go. Ouah. Allez, on met les épaules dans la cassette. Ah. Ouais. Ah, ça fait du bien ça? Ah ouais, ça fait très du bien. C'est calé là, hein? Allez. On les range et puis après on va se faire une petite promenade. Ouais, on va aller voir le coucher de soleil, là-bas. Et on est prêt pour la petite balade? Oui! On est prêt! Et on va tout là-bas. Bon, ça capte ou quoi? Ouais, ça capte pas. Tu prends des risques hein, quand alors, même. Hein. Non pas que je sois accro à mon téléphone, c'est juste que j'ai mon logiciel de montage qui, du coup, s'est déconnecté. Allez, voilà pour cette semaine. On finit avec un petit avant-goût de la semaine prochaine. Bivouac de rêve, peut-être une belle rando, si le temps le permet. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, ça nous aide. On prévoit plein de petites aventures, donc j'espère que ça te plaira et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.